Actions. Allô. Salut Norman. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Moi, c'est ma première fois là ici à Rome. C'est la première fois que je prends mon ordinateur pour travailler ailleurs et dans un autre pays. Ouais. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Ben, je savais pas si j'allais réussir à être productive. Et toi, t'as l'habitude de le faire, ça. Ouais, mais je me souviens que je t'avais demandé qu'est-ce qui fait que t'as dit oui maintenant. Ah oui. Peut-être sur le côté productivité ou cette peur. Ouais, de pas être assez productive, quoi. Ouais, mais moi je sais que j'ai eu beaucoup de retours au départ où c'était plutôt en mode soit je pars en vacances. Ouais. Soit je pars pas en fait. Soit je pars pas Ouais. Ouais. C'est ça que j'ai eu beaucoup quand j'avais lancé Freelance Travel sur le projet, tu vois. Il y avait vraiment ce truc de ah ouais, on peut vraiment mixer les deux, c'est possible, tu vois. Mm. Et moi, c'est vrai que j'en ai fait 10 des séjours. Ok, c'est énorme. Tu peux rappeler un peu ce que c'était, Ouais, je faisais partir des freelances en mode séminaire. Ouais. Donc un peu quand t'es salarié, que t'as des collègues. Mais là, on n'a pas de collègues, donc c'était l'idée de retrouver un peu ce truc de groupe, cette ambiance de groupe, et à la fois travailler pour qu'on puisse aussi facturer notre temps aux clients, mais en même temps profiter sur des temps bien donnés, tu vois. Ouais, je vois. Et, et puis il y avait des activités, tout ça, tu vois. Ouais, c'était quand même très carré, quoi. Tu t'avais vraiment dit, voilà, de telle heure à telle heure on travaille, de telle heure à telle heure. Toi, tu t'organises avant, quoi, parce que sinon... Ouais. Ouais, je faisais quand même un planning, donc c'était quand même important. L'idée, c'est de pas culpabiliser si tu bosses pas en plus, de vraiment profiter du pays ou du lieu, et en même temps, quand tu bosses quoi. Mais exactement. Mm. Et du coup, tu gagnes sur les deux plans, tu vois. Mais ouais. Sur le plan pro et perso. Pro, parce que tu avances quand même sur tes tâches. Ouais. T'es productif, mais différemment, parce que t'échanges sur tes problématiques en groupe, ou même, tu vois, nous toutes les deux, on discute. Carrément. Donc on avance quand même. C'est pas le même avançant, mais c'est quand même important d'un point de vue pro, il y a quand même du poids. Et perso, parce que tu découvres une ville que tu connais ou que tu connais pas, mais en tout cas, tu sors de ton quotidien. Donc au final, c'est quand même vachement bien. Mais carrément, et d'ailleurs, même que ce soit personnellement ou même professionnellement, ça fait trop du bien de juste prendre du recul et en fait de juste de changer de lieu et d'être avec d'autres personnes, comme même juste là, toutes les deux en binôme. Moi, ça m'a fait penser à une nouvelle offre à lancer alors que je pensais pas forcément la lancer ou j'avais pas forcément l'idée. Et en fait, juste de partir et d'être ensemble et d'être dans un autre endroit et d'avoir visité en plus des lieux, donc t'es déjà un peu déconnecté, et ben là, ça y est, tu prends du recul et t'as. Enfin, ouais. C'est, en termes de créativité, c'est trop bien, quoi. Et tu sais que moi, ça, dans mon métier en tant que créatif, on nous apprenait ça, en fait. Là, oui. On nous apprenait, en fait, à sortir, à observer. Et en fait, c'est un truc du cerveau, en fait. C'est vraiment scientifique, presque. C'est que tu vas voir des choses, tu acceptes en fait de pas avoir la solution tout de suite. Ouais. Mais te dire, je sors de mon quotidien, je fais des choses qui vont me nourrir intellectuellement et à tout plein de vues, quoi, de vues, ouais. Et en fait, tu reviens et... C'est ouf ce qui se passe. C'est trop fou. Et au retour des séjours Freelance Travel, je sais qu'il y avait ce truc-là, quoi. Et j'étais pas la seule à ressentir ça, quoi. C'était vraiment le groupe qui disait, mais ouais, en fait, j'ai une énergie nouvelle, quoi. Ah, c'est génial, j'adore. Donc, tu vois, c'est vraiment le truc, quoi. Peut-être que c'est non seulement parce que tu vois des nouvelles choses, et comme tu dis, ça donne de nouvelles idées, ça donne de nouvelles perspectives. Puis quand tu t'éloignes du problème, je pense que ça allège ta charge mentale aussi. Ben oui. En fait, pendant quelques heures, tu coupes ton cerveau parce que t'es dans une autre ville, t'es en train de visiter un autre pays, etc. Et du coup, forcément, en coupant le cerveau, on sait que c'est la créativité qui arrive à ce moment-là, quoi. Et oui. Et surtout que tu coupes jamais vraiment. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu traites quand même l'information, t'as pas l'impression, mais c'est inconscient. Mm. Et donc, en fait, c'est ça le lien aussi avec la créativité, c'est qu'en fait, t'as quand même ta problématique en tête, mais que du coup, tu l'abordes différemment, de façon inconsciente, mais tu observes quand même les choses, et en fait, tu vas les emmagasiner, et en fait, ça va t'apporter la solution. C'est trop bizarre, mais c'est. Et peut-être que tu oses plus en plus. Moi, c'est ça aussi, parce que quand je voyage, je prends plus confiance en moi parce que je suis pas dans ma petite routine, etc. Ouais. On sort un peu de notre sentier battu. Genre, par exemple, le premier jour qu'on est arrivé ici, on était beaucoup moins à l'aise qu'aujourd'hui. Enfin, là, ça fait juste 3-4 jours. Mm. Et au final, on est carrément à l'aise à l'idée de sortir. Ouais. Et ça, du coup, même en termes de pro, j'ai l'impression que j'ose plus penser à des nouvelles offres ou penser à oser faire telle ou telle chose. Mm. Tu vois, c'est. Ouais, il y a ce côté. C'est inconfortable au début. Ouais. Et après. Et comme tu te dépasses et que tu sais que tu peux le faire. Il y a un truc trop cool aussi, c'est qu'on marche énormément quand tu visites. Enfin, nous, là, on a marché 22 km ce week-end. Ouais. Mais du coup, lundi matin, mon corps était un peu fatigué, mais en même temps, j'étais pleine d'énergie. Ouais. Quoi. Moi, j'avais envie de repartir en fait. Ouais, j'étais au taquet. C'est l'effet sport, tu vois. C'est un ça. C'est ça. Ça, c'est cool. Moi, j'avais reçu des messages pour les freelance travel où il y avait beaucoup d'hésitations au début sur quand même ces 10 inconnus en fait. Ouais, tu vois. Ça, moi, j'avoue, ça me faisait peur, ça, moi. Et tu m'avais dit. Je suis hyper sensible et c'est vrai qu'en termes de feeling, il faut que ça passe. Ouais. Et donc, si je sais pas, je sens pas quelqu'un dans la bande, bien sûr. Ça va être compliqué pour moi parce que je vais sentir. Je ouais. vais pas bien me sentir. Non, mais après, il y a aussi la force du nombre qui faisait qu'à 10, si tu t'entendais pas avec une personne, c'était dilué. Ouais.
J'ai jamais eu de trucs affreux, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Donc en fait, de gens, tu vois, vraiment irrespectueux, qui prennent toute la place. Donc au final, tu t'en sors quand même. C'était un peu ça aussi, le truc d'être 10, quoi. Je voulais vraiment qu'on soit 10. On n'a pas toujours été 10, mais justement, je sentais la différence. Ouais. Ouais, donc, c'est clair. Il y aura peut-être des petits groupes aussi, enfin inconsciemment, sans partir dans des trucs. Mais que tu bosses. Après, tu vois, là, on parle des freelance travel, mais au final, on part toutes les deux, pas dans le cadre d'un freelance travel. Non. On se connaissait déjà avant, on savait que ça allait fitter, et rien que ça, de partir même avec quelqu'un à qui on est en confiance, donc c'est-à-dire pas sortir de sa zone de confort au point des freelance travel, c'est-à-dire vraiment, non seulement tu changes de lieu, t'es perdu dans tes repères, mais en plus, tu rencontres que des nouvelles personnes, donc ça fait beaucoup d'informations. Ouais. Et déjà. Juste de partir avec une personne. Ouais. Carrément. Et il faut pas avoir peur non plus de partir avec une personne pro ou que vous connaissez peu, parce qu'en fait ça peut fitter. Enfin, ça peut fitter comme ça peut pas fitter d'ailleurs, mais nous c'est cool là. Après on se connaissait mais bien. Mais on avait quand même. Ouais. mais on n'avait jamais passé autant de temps ensemble. Oui, par contre, oui. Et moi j'ai des amis que j'adore et avec qui je suis amie depuis toujours, tu vois, et avec qui quand on part ensemble. Bah ça, des fois, ça peut moins bien fitter, c'est sûr. Ouais. Une personne, elle peut avoir déjà beaucoup plus d'énergie que l'autre, etc. Donc, c'est aussi une question de chance, quand même. Ouais. Mais par contre, c'est trop bien. Enfin, moi, je trouve que... Enfin, je vois pas ce qu'on a à y perdre, en fait. Non. Là, j'essaie de trouver un truc et je me dis, il y a rien parce que c'est un format court. C'est pas comme si on partait trois mois ensemble et tu te dis, si jamais il y a des tensions, c'est long, quoi. Oui, c'est long. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est que sur des formats courts comme ça... Même s'il y a des petits trucs qui peuvent t'embêter, en fait, sur 6 jours, il n'y a pas de sujet, en fait. C'est un temps court, donc en fait, on a vraiment tout le bénéfice. Normalement, on ne tape pas dessus, quoi. Ben, c'est ça. C'est pas fini, hein. C'est qu'à moi, c'est la vie, c'est vrai, faut qu'on fasse gaffe. Mais, non, mais par contre, je suis contente, moi, j'avoue. Je ne savais pas non plus si j'allais pouvoir travailler. Bon, tu es plus productif que moi, là, en ce moment, mais en même temps, c'est une période pour moi qui est particulière. Mais en fait, ça va. J'arrive à bosser, même à distance, et surtout en discutant, ça donne plein de nouvelles idées. Enfin, c'est chouette, quoi. Et puis de te voir bosser, c'est différence. Non, on va dire peut-être le seul défaut entre guillemets, c'est que comme j'ai l'habitude de bosser en marchant, de travailler debout, il faudrait que je trouve la même chose ici ou que j'ai un écran plus grand, etc. Mais en fait, ça suit bien juste pour quelques jours. Je vois pas vraiment de différence. Surtout, je me mets sur des tâches. Enfin, je réponds à des mails, je réponds à des messages, je crée du contenu, je fais du montage. Tu vois, c'est pas des tâches non plus. Enfin, je sais pas, c'est pas comme si j'enchaînais des accompagnements clients ou si je donnais une conférence à distance. Ouais, je sais pas. Faut être sûr du wifi, quoi. On a eu ces sujets-là, hein, sur le confort de travail que t'as en voyage versus chez toi. C'est clair que c'est pas la même chose. Mais après, en fait, ça va, tu vois. Moi, je craignais un tout petit peu ça, mais en fait, ça se fait très, très bien. Ouais. Il faut pas se mettre de pression non plus. Faut peut-être se dire que c'est pas la semaine où on va être la plus productive de notre vie. Mais par contre, non, on peut être vraiment être productif, pour le coup. Enfin, toi, t'enchaînes les rendez-vous, là. Ouais, et surtout je serais curieuse de reparler de ça avec toi quand tu seras rentrée et de voir est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, un bénéfice que t'en tires autre que ces 6 jours-là. Ouais. Mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose dans la durée quand même qui en termes d'énergie. Ouais, qui bouge. Je pourrais l'ajouter d'ailleurs à la vidéo là que je fais. Ouais. Je pourrais ajouter un petit moment justement à la fin, enfin en gros, je crois dans une semaine après le voyage, et voir si je suis toujours pleine d'énergie comme ça. Ouais, franchement, ce serait hyper intéressant. Du coup, j'obéis et je vous fais un petit retour. Ça fait déjà 2 mois que je suis rentrée. C'est dingue, ça passe tellement vite le temps. Mais du coup, c'est sympa, je peux vous faire un petit retour 2 mois après et je peux vous dire une seule chose. Clairement, je ressens encore les bienfaits. Il y a plein d'avantages à être partie à Rome. Pour commencer, ça paraît tout bête, mais partir m'a donné plus confiance en moi. Et je l'ai vraiment ressenti en rentrant et d'ailleurs, ça s'est même ressenti dans mon business. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça faisait super longtemps que je n'étais pas partie avant le Covid, en fait, finalement. Donc c'était comme une sortie de zone de confort. Voilà, c'est tout bête, mais vraiment, je suis revenue totalement reboostée. J'ai pris du recul aussi. Vraiment, je me sens beaucoup moins stressée par rapport à mon activité. J'ai libéré ma charge mentale en étant là-bas et en visitant. Du coup, en règle générale, je me sens plus calme. Et je suis revenue aussi avec plein d'idées. Ça a vraiment boosté ma créativité. C'est ce qu'on disait déjà dans l'interview, mais je le ressens encore aujourd'hui. Et petite chose aussi, ça c'est dû aux discussions qu'on a eues, mais je me concentre encore plus sur mes priorités, puisque partir m'a vraiment permis d'identifier plus facilement ce que je voulais vraiment faire. Et ça c'est tout bête, hein, c'est simplement le fait de prendre du recul. Autre point aussi tout bête, mais comme on a beaucoup marché, maintenant j'ai beaucoup plus la bougeotte, donc j'arrête pas de travailler en marchant, j'ai repris le sport, et ça vraiment c'est le fait d'avoir autant marché à Rome. Et dernière chose, et ça à mon avis c'est ce que je préfère, ça ouvre mes perspectives. En fait, le fait de savoir que je peux bosser de partout, ça me donne qu'une envie, c'est de repartir. Et surtout, ça m'a rappelé à quel point être freelance, en fait, c'est être libre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir vraiment tendance à oublier dans notre quotidien professionnel. Et ça m'a rendue tellement heureuse de me rappeler ça.
Bref, je pense que vous l'avez compris, ça rend carrément addictif cette histoire et j'ai qu'une envie, repartir. Et est-ce que en tant que maman, c'est difficile de partir ? Oui, oui, je veux pas mentir. Non, franchement, c'est difficile. C'est difficile à chaque fois. Ouais, ouais. Tu vois. Alors que pourtant, moi, je suis partie, la première fois où je suis partie, bah, c'était en freelance travel d'ailleurs. Bah, ma fille, elle avait 8-9 mois. Ok, elle était toute petite. Mm. Petit chat. Mais tu vois, là, aujourd'hui, elle a presque 2 ans et demi. C'est toujours aussi dur. Voire même, je dirais presque plus dur encore. Elle a plus conscience aussi peut-être du truc. C'est peut-être pour ça que c'est plus dur. Franchement, elle n'était pas triste quand je suis partie. Non, ça a l'air d'aller. Quand tu l'as en visio, elle est tellement chou. Taf, en fait. Mais ça, hein, c'est un taf. Et du coup, t'es fatiguée et... ça fait du bien. Bah, je me souviens, quand on marchait, tu me disais, bah, s'il y avait Anaé, là, tu pourrais pas faire ça, ou des trucs comme ça. Ouais. Et tu vois, bah, c'est ça, en fait. Et donc là, au moins, je vis pour moi, le temps d'une semaine. Donc, rien que ça, déjà, c'est... je trouve ça énorme, c'est tu vois. C'est énorme. C'est énorme. C'est une bouffée d'air. Et quand je reviens, bah, je suis une meilleure mère, tu vois, j'aime bien dire ça. En fait. Bah, ouais, c'est ça. Je suis mieux. Mais c'est dur d'assumer, tu vois, sur le moment. Truc. Ouais. Mais après, par contre, tu regrettes pas du tout, quoi. Non, jamais. À aucun j'ai moment. J'ai jamais regretté. Bah oui. Bah, je suis pas étonnée. Et je pense que c'est hyper important. Après, je suis absolument pas maman, donc j'y connais rien. Mais c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que si on veut être une bonne maman, entre guillemets, il faut aussi prendre soin de soi d'abord pour que bah, on soit épanoui. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une maman vraiment totalement sous l'eau, totalement débordée, fatiguée, épuisée. Mmh. Et bah, qui, oui, essaie de faire tout ce qu'elle peut pour ses enfants, mais du coup, malheureusement, l'enfant ressent toutes les énergies négatives, enfin, de fatigue, quoi, d'épuisement. Mmh. Et puis en plus, je trouve que c'est des questions de valeur. Moi, je sais que ma fille, elle n'est pas cette sensation que d'avoir la mère sacrificielle qui s'est sacrifiée, tu vois. Parce Que en posture, c'est difficile, je trouve. Et je veux, en fait, qu'elle ait ce truc de « Ok, j'ai un besoin, je l'écoute, et j'essaie de mettre en place quelque chose qui est possible. » C'est-à-dire, je ne pars pas 3 mois non plus. Oui. Une semaine, c'est possible. Mm. Alors, je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde. Il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres. Mais pour la majorité, quand même, je pense que c'est possible. Surtout quand t'es freelance. Mm. Et ouais, c'est un truc vraiment que je veux lui transmettre, quoi. C'est une valeur. Ouais, je vois. Mais ça, c'est hyper important. C'est que ça va être hyper inspirant pour elle aussi. De voir sa maman juste se dire, ben, en fait, on peut voyager et on peut être maman et travailler déjà, être freelance, avoir son entreprise et en plus se détacher et voyager et tout. Ouais. Enfin, c'est trop cool. Bah, j'adore. Ouais, ouais. Enfin, c'est inspirant, même pour les personnes qui ne sont pas mamans, ou pas encore, ou je ne sais pas. Bah, c'est hyper inspirant de se dire, en fait, on n'est pas obligé de s'enfermer, on n'est pas obligé de tout donner, que tout tourne autour de l'enfant. Mm-mm. Et on peut aussi, à moins, avoir sa propre vie à côté, quoi. Et même voyager seule. Ouais, c'est fou. Chose que j'ai déjà faite aussi. Trop bien. Ah ouais, non, mais c'est dingue, c'est fou. Tu vois, c'est pas la même chose, pas le même bénéfice, mais c'est aussi cool, quoi. Bah oui, mais non, mais j'imagine. Mm. Et s'il y avait, genre, des erreurs à éviter en bossant ailleurs, genre quand on part comme ça voyager et qu'on part travailler, est-ce qu'il y a des petits trucs à penser? Je pense à un truc par exemple tout bête, mais le wifi. Oui, tu m'as dit direct, tu m'as dit le wifi parce que surtout t'avais des visios à faire. Ouais. Donc ça c'est genre la base. Ouais. Donc on regarde les avis pour voir si le wifi est bon. Moi par exemple sur mes premiers séjours, j'avais pas pris assez de chambres, j'étais bourrée et du coup. Ils ont dormi où les gens? Ils ont dormi dans le même lit. Non. Bah, il y avait des mecs qui devaient dormir dans le même lit, donc c'est des lits doubles, heureusement, mais tu vois, j'avais mal calculé. Donc c'est juste bien checker, tu vois ça. Oui, c'est mieux. Bien chercher, et voilà. Tu vois, genre sur Airbnb, t'as des trucs où ils te disent c'est 2 chambres, mais en fait, non, c'est 1 chambre et 1 canapé-lit, ou des trucs comme ça. Donc ça peut vachement jouer aussi. Tu fais quoi? Tu tires au sort du coup avec plein de gens? C'est ça. Créer des tensions. C'est hyper gênant, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, c'est plus ça, le logement, mais après, franchement, à part le wifi, et si, bah, une table, c'est con, tu vois. Là, c'est un peu petit, tu vois. Et encore, on a fait super attention. Et ouais. Mais à Rome, c'est assez particulier. On avait plein de logements avec des tout petits espaces de vie. On s'est dit, on va pouvoir bosser là-dessus, quoi. Bah, sur des chaises qui avaient l'air vraiment pas confortables. Donc en fait, c'est au moins une table suffisante pour pouvoir poser son ordi et être quand même bien. Ouais, c'est ça. Et c'est tout, hein. C'est ça qui est cool. Et s'organiser peut-être, comme tu as dit, genre se dire le matin on travaille, l'après-midi on visite. Ouais. Là, ce qu'on fait nous en ce moment, c'est que du coup, on bosse jusqu'à 16h à peu près. Ouais, ouais. 16-17h. Et puis après, on rentre. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. C'est quand même, le but, c'est pas de taffer à fond et du coup de profiter que 2 heures ou 1 heure. Oui, c'est ça. Donc, c'est clair que c'est. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a inclus un week-end, donc c'est une bonne idée aussi. Bah ouais, parce que du coup, on a couru. Ouais. On a marché à fond, on a visité à fond pendant 2 jours. Donc, on était déjà ressourcés, donc ça va, tu vois. Déjà bien, voilà, ça faisait du bien de se poser en fait le lundi. Ouais, c'est clair. Non, c'est une bonne idée, ça, franchement. Non, c'est chouette.
Et après, il y a ce côté pratique, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, Rome, je trouve c'est bien parce que c'est une ville. Ouais. C'est-à-dire que si on a été en pleine campagne, enfin, je veux dire, c'est un peu plus compliqué. Là, en plus, on a les transports, on peut facilement bouger. Ouais. Donc, c'est plus ce truc que si c'est vraiment paumé, c'est. Ça oui, peut être un peu moins plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il faut plus s'organiser encore, tu vois. C'est-à-dire dire, bah, qu'est-ce que je fais une fois que je suis dehors en campagne? Ouais, complètement. Et puis, peut-être qu'aussi d'être à Rome, ça fait moins vacances que d'être à la plage. C'est à la plage, je sais pas si j'aurais autant de facilité à. Je verrais la plage en face, il ferait beau, tu vois. Bah, tu vois, j'en ai fait pourtant un effet en travel. Hein. Ouais. Bon, remarque, moi, ça je connais. Ça marche aussi. Je sais que, ouais. Ça amène une énergie différente. Ouais, ça. T'es plus. Bah, je pense que tu dois être encore plus créative, du coup, là, pour le coup. Ouais. En plus, c'est à ce truc de gratitude puissance 1000. Moi, c'était ça, tu vois. Genre. Putain, je me suis insigneuse, quoi. On était dans la forêt avec les pins qui étaient hyper hauts. C'était un chalet et tout, genre trop beau, quoi. Et tu vois, j'étais là. En fait, là, je vais bosser. Je vais m'asseoir dehors. C'est trop beau. Et je vais bosser et je vais facturer à des clients. Je vais gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est la vie, quand même. Ah, putain. Mais c'est pour ça qu'on est freelance aussi. Et donc, moi, c'est ma 4e année en tant que freelance. 4e année, c'est ça. 4e année et demie, on va dire. Ouais. Et franchement, j'avais jamais fait et j'avais... C'est un peu le risque aussi, c'est quand tu te lances en freelance, c'est que j'ai tellement bossé au début, j'ai tellement accepté plein de missions. Après, je suis partie dans plein de choses aussi, comme des conférences, mais notamment des cours dans l'enseignement supérieur, qui est quelque chose quand même de particulier, qui fait que je ne pouvais pas partir. Ouais. Tu vois, je ne pouvais pas. Soit je préparais les cours, soit je bossais pour mes clients. T'avais pas soit les avantages je donnais des cours. Du freelance, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que tu m'as dit au tout début, tu m'as dit, bah, tu savais pas si là j'allais accepter une parce que mon planning est totalement différent et je vais pas mentir là-dessus. Là, mon planning il est beaucoup plus zen en ce moment. Mm. Après, ça va revenir là dans quelques semaines, mais là c'est zen dans le sens où j'ai entre guillemets juste à créer du contenu, à répondre à mes clients, de la formation en ligne, etc. Donc c'est. Ouais, après en soi, c'est de l'organisation parce que je me dis, même si t'as un rythme où tu donnes des cours, où tu fais beaucoup de choses, une semaine tu peux, si ça s'organise à l'avance. C'est la semaine tu de vois, vacances, genre. Ouais, c'est ça. Oui, ou vacances, même pas vacances du coup, mais tu vois, tu te dis, il y a forcément des tâches qui sont possibles de faire à distance. Après, ça dépend de plein de choses. Si c'était des trucs signés toutes les semaines et où il y avait pas de possibilité et tout, c'est clair. Mais je pense que tu peux quand même essayer de t'organiser sur des petits moments, mais c'est clair que je trouvais que ton rythme, c'était... T'avais pas les avantages du freelance, Non, quoi. Au début, je les avais pas. Et maintenant, je les ai clairement. Ouais. Donc maintenant, ça me parle beaucoup plus, ça, et je me dis, je veux faire ça tout le temps, en fait. je veux. Non, mais franchement, ça donne trop envie de faire ça tout le temps. Enfin, là, je suis sûre que je vais prévoir un autre moment où je vais partir, ça donne envie de le faire, quoi. C'est trop bien. Mais en fait, t'as raison, j'avais même vu une présentatrice radio qui était partie en vacances et tout, et elle devait faire genre une émission radio, mais elle était loin, et elle l'avait fait même à distance, en direct. Bah, là, c'est quelque chose d'important, dans la radio. Et donc, si elle ose, pourquoi nous, on n'oserait pas, tu vois? Mais c'est tout est possible, tu vois. C'est juste imaginer des façons différentes de travailler. Et trouver quelque chose qui s'y colle, quoi. C'est ça. Ça, c'est clair. Non, mais carrément. Bon, alors, dernière question, tu penses quoi de Rome? Non, mais c'est trop cool. C'est une très belle ville. C'est beau. Après, moi, l'Italie, c'est mon pays préféré. Mais je comprends. Franchement, je pourrais faire pareil. Je trouve ça incroyable, en fait. C'est très beau. Tu vois, il y a tout. Enfin, tu vois, t'as quand même le beau temps, t'as le dépaysement qui est là, c'est pas trop loin. Il y a aussi ce truc-là. Tu manges bien. Tu manges super bien. Moi, j'adore. C'est ma nourriture préférée. Franchement, la nourriture italienne. Mais c'est bon. Mais c'est trop bon. Les gens sont, les Italiens, les Italiennes sont top. Ouais. Ils sont gentils et tout. Donc c'est super beau. Mais vraiment, moi, Rome, je savais pas que c'était si beau. Enfin, j'avais oublié. Ouais. Et on disait avant-hier, on avait eu marre de voir trop de trucs beaux. On savait pas quoi regarder. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, là? Qu'est-ce qu'on doit filmer? À un moment donné, il faut tout filmer, quoi. Non, c'est vraiment super beau, c'est fou. Donc, ça vaut le coup. Les grandes villes, ça vaut le coup, en fait. Et puis, Je pense, voilà. Je pense que la prochaine fois, je tenterai dans un endroit un peu plus mer, plus. Ouais. Pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est différent. Franchement, c'est ça. C'est vraiment des énergies complètement différentes, des choses complètement différentes. Le point commun, c'est que tu sors et que tu vois autre chose. Je pense que c'est important de sortir quand même un peu. Ouais. D'aller se dire, allez, je sors de ma zone de confort sur un endroit spécifiquement. Mais Rome, c'est parfait pour ça, moi, je trouve. Hormis le logement qui n'était pas évident, effectivement, à trouver. C'était cher, quand même. Ouais, ça partait très, très vite. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance, pour le coup. Ouais. Vraiment. Mais faut bien viser les quartiers aussi. Ouais. Attention. Les quartiers. Mais sinon, moi, je ne regrette pas. Non, je conseille à mort.
Là, ouais. Ça va être bien. Soit on va se rebalader, on va remanger des pizzas. Ouais. Non, on se calme sur les pizzas. On alterne. Oui, c'est ça. On alterne quand bon, même. Bon, le seul problème, c'est qu'on revient avec 10 kilos en plus. Mais après, bon, ouais, ça mais va. C'est bon. Ça se perd. C'est une autre histoire. Bon, merci, c'est cool. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Bienvenue sur ma chaîne. Si t'es pas dit bienvenue, je te le dis maintenant. Mais oui. Bienvenue ouais. sur. Bah, c'est bon là. Ouais, c'est bon, c'est fini. Voilà. Et t'as vu, on a vu Matrix, c'est ouf. Elle a visé la vache. Quand c'est dit. Ah ouais, la vache.